Scotland Vlog, Vlog Écosse. Today, we're going to explore the prison of war. Donc aujourd'hui, on va explorer la prison de guerre. La prison de guerre a accueilli plus que 1000 prisonniers tout au long de son histoire. Des pirates et prisonniers de guerre were held in the vaults below the Great Hall. Prisoners of war came from France, America, Spain, the Netherlands, Ireland, Italy, Denmark, and Poland. Most prisoners were sailors, many of them Americans fighting in the War of Independence. La prison détenait autrefois 21 pirates des Caraïbes qui ont finalement été condamnés à mort. Ici, on peut voir des lits où ce que les prisonniers dormaient, so they slept in cots made out of hay and in hammocks. Les prisonniers avaient même des jeux dans leur chambre, comme des cartes et des dominos. A small barred window allowed light to enter the room. Every prison room had a fireplace. Il avait aussi des casseroles et d'autres choses pour cuisiner. Here we can see the doors that once held the prisoners. The prisoners often carved words and drawings into the doors. Un prisonnier américain a même sculpté le drapeau américain dans les murs du voûte du château pendant son emprisonnement. Prison life, la vie des prisonniers. Every prisoner was given clothes and an allowance of 6 pence per day. Ils ont reçu des soins santé car il y avait une chirurgien qui travaillait à la prison de guerre. Chaque prisonnier recevait de la nourriture sous forme de ration. Each day, they got 2 pints of beer, 1.5 pounds of bread, 340 grammes de bœuf. À chaque 2 jours, ils recevaient 280 grammes de pois and 110 grams of butter. On Saturdays, instead of getting beef, they would get 170 grams of cheese. De nombreux prisonniers étaient des artisans talentueux. They would use materials such as bones from their meat or straw from their beds to make objects to sell. Ils fabriquaient des objets comme des bijoux, des boîtes et des chapeaux de paille. Maintenant, on va aller voir la prison militaire, so we're going to see the military prison. The tiny military prison housed only 16 cells. Ces cellules de prison détenaient des membres de militaires accusés de diverses infractions. Drunk on guard was one of the offenses that could get a soldier locked up. Les détenus de cette prison ont dû endurer l'isolement cellulaire and hard punishments such as working a treadmill for hours on end. C'est tout pour cette semaine, but don't worry, there's much more to see. À prochaine! Bye!